Bonjour Monsieur Gandillon. Bonjour Florian. Bonjour Monsieur Gandillon. Bonjour Blandine. Nous voici de nouveau ensemble pour un nouvel entretien, celui du mois de novembre 2016, en présence du rédacteur en chef de la revue militant Monsieur André Gandillon, qui va nous parler de la France contre les robots. Alors, première question, l'idéologie progressiste du machinisme nous touche depuis combien de temps? L'idéologie du machinisme remonte, si l'on veut remonter... Elle remonte aux origines de la civilisation. Quand vous avez les machines d'Archimède, c'était déjà les premiers débuts du machinisme. Mais l'idéologie du machinisme, si on veut dire l'importance du machinisme, remonte, c'est consubstantiel à la révolution industrielle. 19e siècle. Enfin, 18e déjà, vous avez les machines à tisser, toutes ces machines-là, c'était déjà le début de la mécanisation du machinisme. Au 19e siècle, ça s'est développé de manière extrêmement importante, à travers les chemins de fer, à travers la sidérurgie, la mécanisation croissante des métiers. Et ça a toujours provoqué des réactions pour les personnes qui étaient menacées par le machinisme. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le machinisme est souvent décrié, parce que ça remet en cause les situations acquises, la vie tranquille. Il est bien sûr que lorsque vous avez lancé le développement des machines à tisser, toutes les personnes qui travaillaient chez elles sur des métiers manuels ont été obligées ou de rentrer dans les usines, ou alors de cesser leur activité. Et le machinisme pose aussi d'autres problèmes. C'est que Bernanos, justement, avait écrit un livre, La France contre les robots. C'est que pour lui, le machinisme limite la liberté des hommes et va jusqu'en altérer leur façon de penser, leur façon de faire, étant donné qu'il craint que la machine les guide, plutôt que ce ne soit eux qui guident la machine. Pour l'instant, à l'époque, nous n'en étions pas là. Maintenant, effectivement, le problème va commencer à se poser, ou se pose même déjà. Ils le voyaient un petit peu venir, d'ailleurs, ces gens. Bah. Et Alexis Carrel répondait en disant que le but de la civilisation, c'était pas le développement de la machine, mais d'abord de l'homme. C'est d'abord le développement de l'homme. Il est bien évident que c'est le spirituel qui commande le matériel. Ouais. Et si l'homme n'a plus de raison, il gouvernera mal la machine et la machine deviendra folle. Puisque la machine est une création de l'homme, tout dépend de ce que l'homme va en faire et de ce qu'il va lui dire de faire. Moyen, donc on voit qu'il est ni bon ni mauvais au départ. Il est ni bon ni mauvais, tout dépend de l'usage que l'on en fait. Vous prenez par exemple, un exemple bien connu, la télévision. La télévision, c'est la meilleure des inventions, parce que ça vous permet de voir des images du monde entier, de voir des reportages que vous ne pourriez pas voir autrement. Ou alors, sauf à partir faire des voyages lointains, par exemple, pour prendre des images et des reportages. Mais c'est aussi le pire de tout, parce que c'est un moyen d'endoctrinement de masse, et même d'abêtissement des populations, à travers tous les jeux plus ou moins débiles que l'on voit sur TF1, pour ne pas le citer, par exemple. Voilà. Mais le recours au machinisme... est consubstantielle donc à cette révolution industrielle, mais provoque effectivement le risque d'aboutir à terme à non plus développer d'autres activités et permettre le réemploi des personnes qui ont perdu leur travail dans d'anciens métiers, ce qu'Alfred Sauvy appelle le déversement, mais... Vous pouvez aussi avoir le phénomène par lequel le machinisme se développe tellement vite qu'il supprime la main-d'œuvre et que celle-ci ne trouve pas à se réemployer. C'est ce que Jacques Dubois, au moment de la crise de 1929, avait appelé la grande relève des hommes par la machine. Donc ça remonte. Oui, mais la grande relève. Et à cette époque-là, au moment de la crise de 1929, il avait lancé cette expression parce qu'il s'était rendu compte que. La création de biens marchands à travers la mécanisation croissait beaucoup plus vite que l'emploi qui permettait d'acheter cette production. D'où une crise de surproduction par rapport aux revenus disponibles. Oui.
Comme les gens ne pouvaient plus travailler. À partir du moment où les gens ne peuvent plus travailler, ils n'ont plus de revenus, et celui qui ne peut pas acheter ruine celui qui ne peut plus vendre. Logiquement. Logiquement. Donc vous avez ce phénomène qui, cette course permanente qui se développe à travers les générations et les inventions. Alors après-guerre, effectivement, on a pu arriver par la mécanisation, le développement technique et technologique, à compenser les destructions d'emplois nées de ces nouvelles techniques par la création de nouvelles activités nées aussi de ces nouvelles techniques. Mais rien ne dit que cela se produira indéfiniment. Et la révolution de la robotique qui est en train de se mettre en place sous nos yeux pose effectivement la question. D'ailleurs, on y viendra. Alors peut-être un dernier point avant la seconde question. C'est vrai que tout ce qui est machine, ordinateur, enclenche un autre phénomène qui est la dépendance à l'électricité. Lénine disait le communisme, c'est la révolution plus l'électricité. Oui. Mais il est vrai que tout le développement économique depuis la fin du 19e siècle a été basé sur l'utilisation croissante de l'énergie électrique. Pendant nos nucléaires, vous prenez les chemins de fer, vous n'avez plus les chemins de fer qui fonctionnent à la vapeur, vous aviez l'électrification qui s'est développée partout, et l'utilisation du diesel est relative. Relativement résiduel dans la mesure où il n'est utilisé que sur des lignes qui ont très peu de trafic. Ça fait le bonheur de EDF, c'est ça? Ça fait le bonheur d'EDF. Il y a un phénomène d'ailleurs extrêmement important, c'est que ce développement de l'électricité et du machinisme fragilise les sociétés. Certes, elle les rend plus fortes, plus puissantes, en termes de création de richesses, en termes de moyens techniques. Si vous avez... On voit très bien que les forces militaires ont atteint un niveau de développement extraordinaire en utilisant toutes les techniques qui ont été inventées. Mais de l'autre côté, la société est extrêmement fragile. Vous prenez, pour ne pas remonter si loin, vous remontez en 1914, la plupart des villes et des villages n'avaient pas d'électricité. Vous n'aviez pas l'eau courante, vous n'aviez rien. Alors certes, aujourd'hui, vous proposez ça aux jeunes générations. Je ne dis pas qu'ils vont se suicider, mais presque, parce que pour eux, c'est revenir à des conditions de vie quasiment intolérables. Mais vous aviez une société beaucoup plus solide, beaucoup plus rustique, et donc moins destructible que lorsque vous avez une civilisation fondée sur la technique et l'électricité. Par exemple, figurez-vous que quelques commandos malveillants se décide de faire sauter un ou deux centraux de commandes centralisées du réseau électrique en France. Toute la ville se retrouve dans le noir. Mais tout le pays. Ils n'ont plus de bougies. Mais la France entière est paralysée. La France entière est paralysée. Donc il faut en être conscient. Et vous avez un pays comme la Russie qui, à mon avis, est beaucoup plus solide que nos civilisations. D'une part par le mental, parce qu'ils continuent à être enracinés, ils savent d'où ils viennent, ils ont leur civilisation, mais aussi par le fait que les techniques, même si elles pénètrent au sein de la population, n'entament pas leur tradition, leur manière de vivre assez rustique. D'ailleurs, c'était un aspect assez particulier de l'industrie soviétique. Ils avaient mis au point des techniques qui était relativement facile à mettre en œuvre, qui était très solide, très rustique. Et un des effets de la fin de l'URSS en 1991 a été de détruire toutes ces filières. Ça, c'est un aspect qui est très peu connu, qui est même encore très mal étudié, mais on s'est privé d'un certain nombre de techniques qui pouvaient être intéressantes et utiles. Sachant très bien qu'il y a eu des prédateurs venant de l'Ouest qui ont cherché à récupérer tout ce qui pouvait les arranger et à détruire tout ce qui pouvait les gêner. On va passer à la seconde question. Alors, la machine pourrait-elle vite remplacer l'activité humaine ? La machine, oui. Elle a déjà, comme on l'a dit, remplacé très rapidement l'activité humaine en nombre de domaines. Mais à l'époque,
à l'époque, elle accompagnait le développement de l'activité humaine et n'avait pas un effet destructeur net d'emploi, sauf à des périodes très courtes. Là, actuellement, avec la robotisation qui est en cours, l'affaire est sérieuse. Bon, là, je me réfère à des études qui ont été faites sur le sujet. Vous avez le cabinet Roland Berger qui explique que le numérique sera à l'origine de la perte nette de 3 millions de postes d'ici de 2025 en France. Mm-hmm. Bon, dans l'industrie, mais aussi dans les services, avec une automatisation des tâches de 20%. Bon. Alors vous en avez même d'autres encore qui disent dans un livre, Bienvenue dans le capitalisme, qu'un emploi sur trois va disparaître. Vous en avez d'autres qui vous disent encore à Oxford, dans un livre Le futur de l'emploi, publié en 2013, que 47% des emplois pourraient eux-mêmes disparaître. Et l'Organisation mondiale du travail, internationale du travail, l'OIT, prévoit que on risque d'avoir d'ici à 2020 11 millions de chômeurs supplémentaires. Et d'ailleurs, ça peut être des domaines dans la bureautique, même caissier, serveur, livreur, même ouvrier. Enfin. Les populations les plus touchées vont être les populations d'employés, les populations d'ouvriers peu qualifiés, qui vont être menacées et remplacées par ces robots. Alors, effectivement, à contrario, vous avez d'autres études qui vous disent, certes, ça va provoquer une crise de l'emploi, mais elle sera temporaire parce qu'on va avoir, comme par le passé, de nouveaux développements qui vont permettre de réemployer la population par la découverte de nouveaux métiers et autres. Ça, bon. La machine remplace, mais elle aide aussi. Alors, pour le moment, on ne peut pas savoir ce que l'avenir donnera, mais il est certain que pendant une certaine période, il va y avoir un état critique de l'emploi. Parce que si vous développez les machines aussi rapidement, et la mécanisation aussi rapidement, vous allez avoir des millions de personnes sans emploi, ça va provoquer des difficultés énormes, ne serait-ce que des difficultés sociales. Il faut faire attention aux futures manifestations robophobes, voilà, qui diront que les robots volent le travail des Français. Ah ben, on retrouvera le même syndrome qu'en Angleterre à l'époque des ludistes où ils démolissaient les machines, ou la révolte des canuts de Lyon. Mm-hmm. Hein, mais ça, c'est pas la solution. C'est pas la solution, on ne peut pas arrêter. Mais non. Les techniques, on n'a jamais pu les arrêter. Dès qu'une technique existe, on l'utilise. Elle est mise en œuvre parce que de toute façon, elle permet même de réduire les coûts, elle permet de créer de nouvelles activités, de développer de nouvelles sources de bénéfices, de profits, de rentabilité. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Vouloir l'arrêter, le progrès technique, ça revient à vouloir arrêter le cours d'une rivière. Vous pouvez construire tous les barrages que vous voulez, l'eau finira par passer par-dessus. Donc là, il faut être réaliste. Par contre, ça va poser des problèmes de société extrêmement importants. Là, pour la première fois, les classes moyennes, qui jusqu'à présent avaient été relativement épargnées par le progrès technique, enfin par la mécanisation, par toutes ces choses-là, là vont se trouver véritablement menacées. Avec la numérisation des activités, vous allez avoir énormément de métiers aujourd'hui qui vont disparaître. Après, ouais, en soi, dans l'informatique, par contre, ça crée peut-être un peu plus d'emplois, mais ça ne peut pas faire la balance. Non, mais vous savez, vous allez créer des emplois dans l'informatique, mais effectivement, ça va pas aller bien loin, parce que même l'informatique elle-même va être robotisée. Oui, c'est ça, oui. C'est vrai. Et même à la limite, on pourrait dire, alors là, s'il pouvait y avoir un frein au progrès technique, c'est tout simplement parce qu'il n'y aurait plus suffisamment de gens formés et instruits pour absorber la capacité de savoir qui permettrait de dominer toutes ces techniques et d'en inventer d'autres. À la limite, c'est un peu le mathématicien ou celui dans l'arithmétique qui dit que la calculatrice détruit un peu le cerveau. Ouais. Empêche d'utiliser le calcul mental, en fait, voilà, comme ça. Voilà. Voilà.
Alors, ce qui pose problème, c'est peut-être plus raison idéologique de dire le productivisme, finalement, de transformer l'homme en machine. Enfin, c'est peut-être plus un problème que la technologie elle-même. C'est un problème. Il faut savoir que la mécanisation apporte une réduction des coûts. De tous les temps de l'histoire, du développement du système qu'on appelle capitalisme, en réalité, c'est le système prix, salaire, profit. C'est-à-dire que vous avez la concurrence, et c'est celui qui a les coûts les moins élevés qui finit par l'emporter. Donc de tout temps, un patron, un chef d'entreprise, a cherché à réduire ses coûts. Alors vous avez des coûts d'organisation, des coûts de bâtiment, des coûts de ceci ou de cela, mais le plus gros coût pour un patron, c'est la main-d'œuvre. Un patron qui arriverait à supprimer toute la main-d'œuvre et à remplacer la main-d'œuvre par des machines, il aurait une compétitivité, une rentabilité extraordinaire, au moins pendant un temps, le temps que les autres le rattrapent. Donc, d'une manière ou d'une autre, on n'arrêtera pas, sauf le jour où le système lui-même arrivera en bout de course, pour une raison ou une autre, s'effondrera, parce qu'on n'aura pas de matière première, parce qu'on aura fait une erreur de manipulation et on aura tout cassé, enfin, je ne sais pas, mais voilà. Là, actuellement, vous avez, en gros, une vingtaine de nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître dans le monde. Vous avez le... Et les prix s'effondrent. Vous avez le solaire, les prix s'effondrent. Vous avez les nanotechnologies, bientôt qui vont être capables de vous soigner, mais à des coûts beaucoup moindres. Vous avez l'intelligence artificielle qui se développe. Alors, et à contrario, vous avez le mauvais côté de la chose, c'est la surveillance électronique aussi qui se développe. Là, c'est des caméras ou voilà. Tout ça, ouais. Alors, soi-disant pour vous protéger, on va vous surveiller d'autant plus près. Pour vous aider à bien vivre, on va vous mettre des capteurs un petit peu partout pour vous aider à bien vivre. C'est ce que vous avez d'ailleurs là actuellement sur le système Navigo en région parisienne. On vous oblige à chaque fois, sous peine d'amende évidemment, à valider chaque voyage que vous faites pour mieux connaître vos besoins. C'est, à mon avis, c'est pour aussi mieux vous fliquer. Oui, on sait quelles sont les stations que vous utilisez le plus. Et voilà. Forcément. Bon. Mais ça, on a en jetant un coup d'œil dans le fichier. Voilà. On n'a pas besoin de ça pour savoir quelles sont les stations et les voyages les plus importants. On a fait des enquêtes en ce domaine sans ces outils-là pendant très longtemps. Et elles tenaient la route. Hein, elles étaient efficaces. Vous avez aussi le fameux compteur Linky. AEDF, c'est un compteur, formidable, vous n'avez plus à attendre l'horloveur du compteur, ça c'est formidable, mais de l'autre côté, c'est un compteur, outre les ondes électromagnétiques qu'il envoie, qui fait beaucoup de gens le critiquent, il envoie toutes les 10 minutes à un central, un relevé de votre consommation. Comme ça, on va bientôt savoir quel type de matériel, quel type d'outils vous allez utiliser, quel type de machine vous utilisez chez vous et autres. Donc, autrement dit, c'est un véritable flicage de la personne. On met la personne à nu. Donc ça, c'est l'envers du décor. Alors là, comment l'empêcher? La barrière, elle est simplement spirituelle. Elle relève d'une révolution spirituelle. Pour le moment, avec la matérialisation de la société dans laquelle nous sommes, il ne faut pas espérer beaucoup de changements. Seule la morale, oui, peut mettre un blocage. Seule la morale. Et alors une morale chrétienne, une morale catholique. Mais aujourd'hui, ça va toucher combien de personnes. Malheureusement, oui. Voilà. Donc non, il faut être réaliste. Alors, voilà. Bon. C'est bon, sinon on passe à la troisième question. Alors, qui est à l'origine de la révolution robotique? Ah, à l'origine de la révolution robotique, ce sont toutes des... C'est très vieux tout ça, ce sont des sociétés, d'entreprises qui ont cherché toujours à remplacer le bras de l'homme et mettre des machines à la place. D'autant plus que, contrairement aux hommes, les machines ne se mettent pas en grève.
Elles ont un travail régulier, elles ne contestent rien, elles font ce qu'on leur demande de faire. Elles ne tombent pas malades, elles ne fatiguent pas. Non, elles ne fatiguent pas. C'est un grand concurrent, oui, on va dire. Voilà. Bon, alors, il faut les remplacer régulièrement, certes, mais bon, elles peuvent s'amortir assez vite. Et vous savez que le système comptable permet de faire varier les périodes d'amortissement et de modifier un petit peu, d'aider ou de ne pas aider au remplacement du matériel. Hein. L'idée de la robotique est très ancienne. Enfin, très ancienne, oui, elle a quasiment un siècle. Puisque l'idée, le mot, a été lancé par des écrivains tchèques, Karel Čapek et son frère Joseph, qui avaient écrit une pièce qu'on connaît sous ses initiales, RUR, qui veut dire « Rosumovo Universalni Roboti », c'est-à-dire, mettre en place des objets mécaniques et androïdes destinés à remplacer les hommes. Robot, c'est le travail en slave, en russe. Robot, robot, quoi. On a transformé ça comme ça. Alors, les premiers robots ont été introduits dans les usines automobiles. On l'a vu il y a 20-30 ans au Japon, on nous montrait ces robots, vous savez, ces bras articulés qui mettent les pièces en place. Mais ça, ce n'est même pas le hors-d'œuvre, c'est l'apéritif, ça. C'est l'apéritif. Aujourd'hui, les investissements en robotique se développent d'une manière exponentielle par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Par exemple, vous avez le cabinet Boston Consulting Group, là je prends des références, explique que les investissements en robotique représentaient 27 milliards de dollars en 2015, et ils doivent en représenter 67 milliards de dollars en 2025. Bon, ça fait une progression de 10% par an, alors que jusqu'à présent, on était à une progression de 2,5% en moyenne annuelle. Bon. Et alors, les investissements, en plus, sont favorisés par la baisse du coût des robots et en même temps l'amélioration de la performance qu'entraînent ces robots. Alors là, je vais simplement faire une petite citation de ce rapport. Il dit en substance que les prix du matériel et des logiciels permettant la robotisation devraient chuter de plus de 20% au cours de la prochaine décennie, donc jusque vers 2025. Dans le même temps, la productivité des systèmes de robotique va croître d'environ 5% chaque année. Comme les robots deviennent plus abordables et plus faciles à programmer, un plus grand nombre de petits fabricants sera en mesure de les déployer et de les intégrer plus profondément dans les chaînes d'approvisionnement industriel. Le progrès des capteurs de vision, des systèmes de préhension et la technologie de l'information rendront les robots plus intelligents, utilisables en réseau, élargissant leur éventail d'applications. Toutes ces tendances se produisent à un moment où les fabricants dans les pays développés et en développement se rassemblent sous la pression du montage pour améliorer la productivité face à la hausse des coûts du travail et des effectifs vieillissants. Alors, effectivement, si vous avez le coût du travail qui augmente, automatiquement, on va mettre des robots à la place. Et c'est d'ailleurs, pour peser, dans les années 70, la France a pris beaucoup de retard à cause de ça, puisque à l'époque de Pompidou, donc 69, 72, ou même un peu avant, on a fait venir de la main-d'œuvre d'Afrique du Nord à bon marché pour travailler dans les usines, pour peser sur les salaires. Cela dit, on n'a pas mécanisé les usines autant qu'il fallait. Alors, d'une part, on a exploité des gens de manière éhontée, bien souvent. On a en même temps affaibli le salariat français. On a créé le phénomène de l'immigration inassimilable. Et en même temps, on a pris du retard dans les techniques. C'est le combo. Voilà. Là, on a... Oui. On a comparé aux autres pays, d'ailleurs, oui. Comparé à d'autres pays. Vous avez évoqué le Japon, mais même États-Unis, Chine et Allemagne ne sont pas hostiles à ce genre de projet. Non, robotique. Non, bien sûr. Et aujourd'hui, les différentes études montrent que seulement 8% des tâches sont robotisées,
Mais en quelques mois, quelques années, 53% pourrait y être pour peu qu'on en ait la volonté. Donc effectivement, si vous mécanisez, puisque ça revient à ça, si vous mécanisez très très vite les tâches en un laps de temps très court, vous allez avoir des millions de chômeurs dans la rue ou sous les ponts. Et il sera d'autant plus difficile d'arriver à donner un revenu à ces gens-là que les robots ne créent pas de salaire. Ce que Marx aurait dit, une plus-value, si on peut dire. Donc ils ne créent pas de revenus, donc ils ne peuvent pas acheter ce qui est produit. Donc à ce moment-là, il faut mettre en place tout un autre système de financement. Alors effectivement, on peut toujours arriver à trouver une solution, mais je ne pense pas que ce soit ce qui soit prévu pour le moment. Mais par exemple, vous prenez l'aviation. Aéronautique, c'est ça? Oui, on la remplace par des drones. Ouais. Drones sans chauffeur, oui. Ça fera des kamikazes, mais qui ne sacrifient pas leur vie. Mais voilà. Bon, d'un autre côté, on est en train de développer en automobile la voiture sans chauffeur. Vous avez la Google Car. C'est une voiture sans chauffeur. Et là encore, en plus, les États-Unis ont très bien compris les enjeux, puisque... Ils subventionnent, ils aident toutes ces entreprises de recherche. Tous les groupes, oui. Et oui, tous les groupes sont aidés. Google, NSA, NASA, oui. IBM, sont aidés pour arriver à mécaniser et au maximum à inventer ces nouvelles techniques, à les mettre au point. Et actuellement, les robots, bon, on dit que ce sont de grosses machines qui sont en cage. Bon, en cage, pourquoi? Parce que tout simplement, elles, pour l'instant, elles n'interagissent pas ou très peu avec l'être humain. Oui. Voilà. Mais à partir du moment où les robots vont commencer à communiquer entre eux et même à pouvoir interagir avec l'homme, là, les choses vont changer. Et ce n'est absolument pas de l'utopie, puisque à la foire de Hanovre, en avril 2015, on a présenté ce qu'on appelle le concept de l'industrie 4.0. Robots humanoïdes, en fait. Voilà, des robots humanoïdes. Donc, ce n'est pas de la science-fiction, ça devient véritablement quelque chose de réel. Il y aura des mariages mixtes avec des robots. Au point où on en est, oui. Oh ben, oui, mais ça, la société qui se dévoie, il faut s'attendre à tout. Hein. D'ailleurs, robot, oui, qui pourrait répondre, même à l'écrit, sans faire aucune faute d'orthographe, etc. Ben oui, vous avez le logiciel Quill, qui remplace déjà les journalistes et les agents chargés, vous savez, dans les agences de presse ou dans les journaux, de faire des brèves, des comptes rendus, des bilans financiers. Les machines font ça très bien, sans faute d'orthographe, de manière très claire. C'est incroyable. Voilà. Donc, vous avez un logiciel d'IBM, le logiciel Watson. Vous vous rendez compte qu'il parcourt 200 millions de pages en 3 secondes. C'est difficile de faire mieux, oui. Voilà. Bon. Alors, évidemment, ce sont des aides à l'activité humaine, mais à la fin, ça remplace l'homme aussi. Voilà. Et ils sont en train de mettre en place, même IBM est en train de mettre en place aussi des machines qui font elles-mêmes les diagnostics médicaux. Avec bon, les erreurs que ça peut. Parce que, évidemment, vous savez, les machines, elles sont programmées, elles ont des protocoles. Si la virgule est mal déplacée, elles ne comprennent plus, et puis vous partez sur autre chose. Alors, ça, c'est l'envers du décor. Mais le temps qu'on s'en rende compte, beaucoup de dégâts auront été faits, toutes ces machines-là auront été mises en place. Oui, beaucoup de gens à la rue. Mais en panne, d'ailleurs, aussi, oui. Il y aura toujours un petit... Ouais. Ah, mais ça, c'est la fragilisation de la société quand on l'enlève, on l'écarte de plus en plus, disons, de l'ordre naturel. De l'ordre naturel. Hein. Le mot est lâché. Voilà. Et on passe à la quatrième question, oui. Si vous avez... Est-ce un projet bénéfique et est-il véritablement inéluctable? Eh bien, oui. Au moins à court terme, il est inéluctable que tout soit mécanisé, tout soit robotisé, pour une simple raison, c'est que ça entraîne une baisse des coûts.
ça évite d'avoir à être confronté à du personnel récalcitrant. C'est quand même très important pour les patrons, pour les entreprises. Et en même temps, cette baisse des coûts permet de s'ouvrir de nouveaux marchés, d'être beaucoup plus concurrentiel et de gagner des parts de marché et de prendre de plus en plus de puissance pour certaines sociétés. Donc à mon avis, oui, là actuellement, c'est inéluctable. C'est inéluctable. Il y a même une fédération internationale de la robotique, oui. Oui, une fédération internationale de la robotique pour promouvoir toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Et d'ailleurs, rendez compte, en 2014, il y a eu plus de 200 000 robots industriels qui ont été installés dans le monde. Et cette année, on devrait être à 400 000, quelque chose comme ça. Et puis vous dites que quand les achats augmentent, forcément le prix baisse et donc devient accessible à beaucoup plus de monde. Plus vous mécanisez, plus vous faites baisser les coûts, donc plus vous ouvrez les marchés, plus vous développez. Voilà. Non, la robotique est inéluctable à court terme et à moyen terme. Ultérieurement, je vous dis, s'il y a des problèmes graves, on reviendra peut-être à l'âge de la pierre et à la massue, mais ça c'est autre chose. Là c'est autre chose. Les prix, oui, ont chuté énormément. Aux États-Unis, pour installer une chaîne de... Enfin, du matériel de soudage sur une chaîne automobile, ça tourne autour de 118 000 euros. Bon, c'est déjà 27 à 28 fois moins qu'en 2004. Donc, à monnaie constante. Donc, de cette manière-là, nécessairement, vous avez le coût du matériel vendu qui diminue. Et dans les années qui viennent, il faut s'attendre à ce que les coûts baissent encore de 20-30%. Et puis tout ça, c'est un nouveau stade industriel, finalement. C'est la suite logique de ce qu'on a connu pas par le passé, mais avec, à partir du moment où vous aurez des machines qui vont devenir intelligentes, de nouveaux problèmes qui vont se poser. Tant qu'elle ne se met pas à nous dominer, en plus. Tant qu'elle ne se met pas... Ben ça, c'est... Oui, vous avez beaucoup de films de science-fiction qui nous montrent la machine, mais... Après les trucs d'aliens, on aura ça, oui. Mais le risque... Non, mais le risque peut exister dans la mesure où l'on fera trop... Où on risque de faire trop confiance à la machine. Mm-hmm. Et à partir de ce moment-là, la machine, elle mènera sa petite vie, si on peut dire... Ça donnera les films américains catastrophiques, etc. Disons que peut y avoir des choses de ce genre. Bon, enfin, c'est plus contingent, quoi, on va dire. Voilà, voilà. Est-ce que ça aura lieu ou non? Bon, on est en train de spéculer gratuitement. On est en train de spéculer, mais il est sûr qu'il y a des dangers, et il faut en être conscient. Oui, c'est sûr. Et peut-être lancer la dernière question pour parler du cas national plus précisément. Oui, pouvez-vous nous parler du cas spécifique de la France? J'avais parlé tout à l'heure du livre de Bernanos, La France contre les robots. Mm-hmm. On a l'impression qu'aujourd'hui, effectivement, c'est la France contre les robots. Parce que, contrairement aux pays voisins, notamment l'Allemagne, on installe très très peu de robots en France. Oui. Il y a une très forte hostilité à la robotisation en France. Même, par exemple, entre 2012 et 2013, l'installation de robots en France a chuté de 25%. Alors que dans le monde, elle augmentait de 10%. Voilà. En France, il y a à peu près, on estime en 2015, 33 000 robots installés dans les entreprises. C'est presque trois fois moins que l'Allemagne. Mm-hmm. Presque trois fois moins que l'Allemagne. Donc nécessairement, notre industrie prend un retard énorme. Mm. Parce que non seulement on perd en compétitivité, mais en même temps,
on perd aussi en développement industriel, en recherche et en puissance économique future. Parce que la recherche est fondamentale. La recherche est quelque chose d'extrêmement important pour développer la puissance d'une nation. Et la puissance d'une nation ne repose pas sur l'assurance ou sur la banque, mais repose certes d'abord sur l'agriculture, mais aussi sur l'industrie. Les services ne venant qu'en service à l'industrie et à ce qui crée véritablement des richesses. Donc on est dans une situation très difficile. De stagnation. De stagnation. Alors, en plus, vous avez cette réaction, disons, de Canut, mais généralisée à l'ensemble de la France, où vous avez les syndicats qui se mobilisent pour dire « Non, on ne veut pas de la mécanisation, on veut maintenir les emplois. » Seulement, il faut savoir que si l'on continue à refuser la mécanisation, non seulement les emplois disparaîtront, existants disparaîtront, par manque de compétitivité et de rentabilité, surtout dans le monde ouvert où l'on est actuellement, mais en plus... On sera dépassé par les autres. Et on ne créera pas de nouvelles activités qui permettront justement de réembaucher ces gens-là ou d'embaucher d'autres personnes et de développer l'activité économique et l'emploi. Il y a une sclérose, en fait, vous dites. Il y a une sclérose assez inquiétante. Alors... Elle est même assez inquiétante dans la mesure où on se rend compte que les candidats pour la présidentielle de 2017 ne parlent quasiment pas du sujet. C'est ce que j'allais dire. Autre que l'hostilité, en fait, il y a aussi une indifférence totale du Parti Socialiste au Front National, tous les autres, enfin, on n'en entend jamais parler. Non, le sujet ne les intéresse pas. Le sujet ne les intéresse pas, ils vont discuter des droits de l'homme, du mariage des invertis, de je ne sais quoi d'autre, de tous ces problèmes-là, mais les véritables problèmes, d'avenir de la France et la robotisation et la mécanisation en études, eh bien, on n'en parle pas. A contrario, il faut dire que les gens ne sont pas intéressés à se lancer dans ce genre d'activité, parce que la France est quand même un des derniers pays soviétoïdes du monde. Quand vous voulez créer une activité, une entreprise, vous avez une multitude de contraintes administratives, ça vous dégoûte de travailler, et dès que vous commencez à gagner 3 sous, vous avez le fisc, les URSSAF, toutes ces choses-là qui vous tombent dessus. Vous n'avez pas envie de travailler. Oui. Si vous avez un esprit inventif pour créer, qu'est-ce que vous faites? À moins d'avoir le patriotisme chevillé au corps, vous partez à l'étranger. Vous êtes en train de dire que le communisme n'est pas mort chez nous, oui. Non, en France, le communisme n'est pas mort. Et d'ailleurs, je pense que c'est presque génétique, dans la mesure où Tocqueville disait « Les Français, entre la liberté et l'égalité, préféreront l'égalité ». C'est-à-dire, oui, c'est donc en gros le nivellement par le bas. Voilà. Et d'ailleurs, vous le retrouvez dans la fiscalité. Les étrangers, des fois, nous tapent bien dessus. Enfin, façon de parler, après, c'est propre à des contextes. Mais Juan Donoso Cortés dit que la République subsistera toujours en France parce que c'est le propre du gouvernement des peuples ingouvernables. Oui. Les Français sont ingouvernables. Les Français sont ingouvernables. De ce point de vue-là, bon, c'est une incidente par rapport au problème des robots. Mais à partir du moment où vous avez détruit la notion de transcendance et de sacré, et que vous avez mis en place ce que j'appelle la raison négative, qui critique tout d'un bout à l'autre, c'est un véritable acide intellectuel qui ronge tout, qui refuse tout. Bien, à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus avoir de régime stable, vous ne pouvez avoir qu'un régime qui se remet en cause régulièrement par des élections, par des discussions, par une instabilité chronique qui est tellement généralisée qu'elle donne l'apparence de l'ordre. Parce qu'on s'y habitue. Mais en réalité, à partir du moment où on a eu détruit toute cette transcendance et mis en place cette raison négative, destructrice, la société est rongée à chaque instant. C'est comme de l'acide qui va ronger une falaise au fur et à mesure. Donc tout s'effondre progressivement. Et c'est pour ça que vous avez une république, puisque finalement, l'État, dans ce domaine-là, c'est cette grande fiction selon laquelle tout appartient à tout le monde et donc rien n'appartient à personne. L'État, il n'existe rien entre l'État et l'individu, c'est un peu le...
Voilà. La République où les corps intermédiaires sont tous morts. Tous les corps intermédiaires sont morts. Mmh. Et le gros problème aujourd'hui, c'est cette emprise de l'administration, cette emprise de l'État qui étouffe le pays. Et d'ailleurs, vous créez une administration, vous créez un poste de fonctionnaire. Bon, le type, il n'a pas grand-chose à faire au début, mais il va vouloir justifier son travail. Donc, il va vouloir inventer telle ou telle taxe, telle ou telle réglementation, puisque un fonctionnaire, il est là pour faire fonctionner, mais il est là aussi pour justifier sa place. Donc, il va créer sans arrêt des réglementations, il va en susciter d'autres, et là, vous allez avoir un enchaînement même de création de services, parce que quand vous créez une taxe, il faut un système pour la recouvrer, et puis après, le système se complique, on en crée d'autres, et on n'en finit pas. Par exemple, là, vous avez le programme de Fillon, là, qui est tout à fait libéral, soi-disant. Alors, il faudrait qu'il m'explique comment il va s'en sortir en ne touchant pas au taux d'imposition existant, mais en augmentant encore la TVA de 20 à 22%. Donc, il va encore aggraver les problèmes. Et apparemment, on ne va pas remettre à plat tout le système de législation, tout le système de fiscalité qui étouffe la France. La suppression de l'ISF sera une chose extrêmement importante, déjà pour aider les gens à travailler. Les successions d'entreprises en nom propre, mais ça ruine des patrimoines industriels entiers. Bon, il y a énormément de choses à revoir. Et si vous allégez le poids du pays en supprimant nombre de fonctionnaires qui sont des budgétivores, et puis des census sur le corps vivant du pays, si vous les supprimez, ben vous allez alléger l'activité économique. Et vous, ces gens-là, même à la limite, vont pouvoir retravailler dans autre chose, dans d'autres activités productives. Vous savez, le pays repartirait très vite. C'est comme une montgolfière. Quand vous lâchez du lest, elle s'élève. C'est ce qu'il faut faire, alors que là, Fillon, comme vous dites, propose plutôt de ralourdir... Rien ne changera. Puis vous avez l'état profond du pays qui est d'une grande pesanteur. C'est le centralisme. Voilà. Donc, les choses ne changeront que le jour où on renversera la table. Ou que la table s'effondrera toute seule. À force de trop charger la mule, elle tombe. Hein. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, le fait de refuser la robotisation, le fait de critiquer, cette mécanisation et de se voiler la face, va encore aggraver les problèmes économiques de la France. Au XIXe siècle, on avait la Turquie, l'Empire ottoman, homme malade de l'Europe. Aujourd'hui, on a la France, femme malade de l'Europe. Hein. Et comme la France est quand même un élément central de l'Europe, ça peut entraîner des complications dans toute l'Europe. Alors le seul qui puisse défendre la robotique en France, c'est peut-être pas une référence, mais c'est Jacques Attali finalement. Peut-être le retourner à son profit, je sais pas, mais c'est peut-être le seul qui en a un peu parlé et qui dit qu'il est pour. Ben bien sûr, ben oui. Mais là, on ne peut pas le critiquer sur ce point. Effectivement, si on veut conserver notre place dans l'avenir, il faut se mécaniser, il faut se robotiser. À ce moment-là, on va créer de nouvelles activités, on va créer de nouvelles occasions, opportunités de créer des postes de travail, on va pouvoir éventuellement connaître une plus grande expansion économique et d'exportation à travers le monde et retrouver notre place. Aujourd'hui, l'industrie en France ne représente plus que 10-11% du PIB. Elle est encore à 22-23% il y a une trentaine d'années. Bon, en Allemagne, elle était à 27, maintenant elle est encore à 23. Et nous, on va perdre de la compétitivité en tout domaine. Et il y a même un autre problème extrêmement important pour lequel on a intérêt à mécaniser. C'est que nos générations vieillissent. On va se trouver bientôt avec beaucoup de retraités et une population active réduite. Alors on nous dit... il faut faire importer de la main-d'œuvre pour remplacer le manque de main-d'œuvre qu'on a en France. Cela dit, on n'a qu'à faire une bonne politique nataliste pour les Français de souche, et beaucoup de choses s'arrangeront dans les 20 ans qui viennent. Mais nous n'en sommes pas là.
Et le meilleur moyen de se passer de la main-d'œuvre étrangère, bien c'est tout simplement de mécaniser les tâches là où finalement les bras risquent de manquer parce que ben, les gens seront trop vieux ou on n'aura plus assez de jeunes. C'est d'ailleurs ce que fait le Japon. Le Japon mécanise et de ce fait, il évite de... La main-d'œuvre immigrée. Donc la mécanisation est extrêmement importante dans un esprit de survie de notre civilisation et pour combattre l'invasion migratoire inassimilable que nous subissons. À mon avis, il vaut mieux la révolution robotique que la révolution migratoire que nous subissons aujourd'hui et qui conduit au grand remplacement. Et à la révolution islamique. Et la révolution islamique. Les islamistes, alors là, les technologies, eux, ils savent les utiliser, mais je ne sais pas s'ils sauront créer beaucoup. Ouais. Ça, c'est autre chose. Mais le problème est là, la mécanisation, la robotisation est un élément fondamental de survie de notre civilisation pour dire, mais on peut se passer totalement de la main-d'œuvre étrangère et de la main-d'œuvre non qualifiée. Vous mécanisez partout. Le manque de jeunes, oui, ça palliera au manque de jeunes travailleurs. Ouais. Exactement. Et lorsqu'on nous dit, en plus, autre part, on nous dit on a besoin de main-d'œuvre pour se développer économiquement. Mais se développer économiquement, il y a une autre question à poser. Se développer pour qui? Pourquoi? Si on doit continuer à croître au profit de populations étrangères que nous installons chez nous et qui sont en train de détruire notre civilisation. Non pas parce que, pour beaucoup, elles l'ont de manière consciente, mais parce que par leur civilisation, elles sont inassimilables à la nôtre. Est-ce qu'on a intérêt à continuer à se développer de cette manière-là pour se détruire? Non. Et ce qu'il faut, c'est faire en sorte que nous puissions nous suffire à nous-mêmes en termes de main-d'œuvre, et la robotisation est ce moyen extraordinaire qui nous permet de suppléer au manque de main-d'œuvre régnicole, de souche, qui se profile à l'horizon. Et ça, évidemment, c'est peut-être trop demandé à nos politiciens. C'est ça. Excepté Jacques Attali. Excepté Jacques Attali, mais là, apparemment, il n'est pas tellement écouté. Mais vous savez... Oui, c'est bizarre, parce que d'habitude... Mais vous savez, Jacques Attali est l'ennemi de notre civilisation. Bon. Puisqu'il vise le mondialisme, la réalisation du judaïsme politique planétaire et autres. Mais c'est un cerveau puissant, c'est un homme extrêmement intelligent. Je crains que la classe politique qui est autour de lui, ou qu'il conseille, en soit bien loin. D'ailleurs, quand vous avez... J'ai assez peu écouté les derniers débats politiques, mais le peu que j'en ai entendu, c'est affligeant. Le niveau est extrêmement bas. Ah oui, c'est sûr. Bon. Moi aussi, j'entends 2-3 ouais. minutes par là, mais c'est tellement médiocre. Comme... Voilà. Bon. Ce sont des solutions de gribouille, alors que c'est une véritable reprise à bras-le-corps du pays. Et le système aujourd'hui n'est pas réformable en France, encore moins qu'ailleurs. Et lorsqu'un système n'est pas réformable, il se rigidifie et il finit par casser. Donc, notre travail à nous, c'est de donner rendez-vous à l'histoire et de nous préparer pour ces échéances-là avec un programme très cohérent. Sachant très bien que la situation dans laquelle nous nous trouverons le jour où nous arriverons aux affaires sera totalement différente de celle que nous avons aujourd'hui, et nous ne pouvons définir que des grands axes. Car, dites-vous bien, que lorsque les nationalistes arriveront aux affaires, c'est qu'on aura tout essayé et que le pays sera complètement ruiné. Donc dans une sale situation, il faut dire. Dans une sale situation, mais ce qui n'empêche pas de savoir ce qu'il faut faire, en termes généraux, les mesures ouais. d'application locales à point de voie. C'est à voir ouais. sur le moment même. Voilà. Et la politique de Gribouille, oui, c'est pour éviter d'être mouillé par la pluie, on se jette à l'eau, c'est ça? Voilà. C'est un démocrate chrétien, voilà. comme voilà. poisson, c'est à peu près ça. Bon, oui. C'est une politique de gribouille. Ouais. Mais là, actuellement, avec la robotisation, le refus de la robotisation, c'est la politique de l'autruche. Ils sont bien toutes ces expressions. Et nous avons... Notre langue est riche. Il faut en profiter. Et on va conclure, du coup. Merci beaucoup, Monsieur Gondillon, d'avoir répondu à nos questions. Pensez bien à suivre la chaîne YouTube Revue Militant.
pour être prévenu de l'apparition des prochains entretiens qui porteront sur d'autres sujets comme la France, les Europes et l'Occident, nation, nationalisme, universalité, l'idéologie du réchauffement climatique, Shoah, saga des réparations. Et pensez aussi à vous abonner à la revue papier mensuel. Alors, vous abonnez à la revue Militant, ce que je ne saurais trop vous conseiller. Écrivez à la Militant, boîte postale 154, 75 463, Paris CEDEX 10. Ou alors abonnez-vous par l'intermédiaire du site revue-militant sur Internet. Merci à vous, Monsieur Blandin. Merci Florian, merci Blandine. Merci Monsieur Gagnon.